Bonjour, bienvenue dans l'exposition Leonetto Capiello, l'affiche et la parfumerie, qui a ouvert ses portes au Musée international de la parfumerie le 18 septembre 2020. Donc, je suis Grégory Couder, responsable scientifique à la conservation des musées, et je vais effectuer cette visite avec ma collègue Sofia Mazzelli. Compte tenu du contexte sanitaire actuel, l'exposition a malheureusement dû fermer ses portes le 30 octobre dernier. Nous vous proposons donc une visite virtuelle de cette exposition que vous pourrez redécouvrir à partir du 15 décembre et jusqu'au 7 mars prochain. L'exposition présente une cinquantaine d'affiches et de maquettes de publicité de Leonetto Capiello pour l'univers de la parfumerie et des cosmétiques. Et ces œuvres sont issues de la collection du Musée international de la parfumerie et de celle des petits-enfants de l'artiste. Leonetto Capiello est un Italien. Il est né à Livourne en 1875 et il arrive à Paris en 1898. Quand il s'installe à Paris, il va démarrer très vite une carrière de caricaturiste pour les journaux satiriques qui sont très en vogue à l'époque. Et il va commencer à croquer ses contemporains, notamment son compatriote Giacomo Puccini, qu'il rencontre à Paris et qui triomphe à l'époque à l'Opéra Comique dans son opéra La Bohème. La spécificité des caricatures de Capiello réside dans la manière dont il va croquer ses contemporains. Dans un premier temps, il va plutôt s'attacher aux traits de caractère de ses personnages plutôt qu'à ses traits physiques. Souvent, dans les caricatures, on a une déformation des traits physiques du personnage. C'est ce qui va créer la caricature. Chez Capiello, il s'inspire surtout des traits moraux, des traits de la personnalité. Et c'est ça qui va tourner en dérision et c'est ça qui va provoquer la caricature. À cette époque, la caricature féminine est très peu développée. Capiello va vraiment développer la caricature féminine. Ces femmes qui vont l'inspirer sont d'abord des actrices de cabaret, des actrices de théâtre. Et c'est elles qu'il va caricaturer, qu'il va vraiment croquer. Les actrices qui sont concernées, bien sûr la grande Sarah Bernhardt, Réjeanne, Polaire, Odette Dulac et toutes les autres. Dès 1899, les actrices vont intégrer les premières affiches de Leonetto Capiello. La référence aux caricatures des actrices est particulièrement présente dans cette affiche pour les parfums d'Aver en 1902. Au centre de cette affiche se trouve une femme en costume d'époque, saisie en plein mouvement et son flacon de parfum donc à la main. Elle est caractérisée par une simplification et une exagération du trait à la manière de Toulouse-Lautrec. Capiello emploie ici seulement quelques couleurs utilisées à Naples. C'est véritablement l'affiche pour le chocolat Klaus en 1903 qui innove et qui est le manifeste de la touche particulière de Capiello. Il y présente une femme vêtue de vert, assise en Amazone sur un cheval rouge, le tout sur un fond noir. Le produit à commercialiser n'apparaît pas. Et le succès pour cette affiche fut énorme. Au bout de quelques semaines, tous les habitants de Paris connaissaient le chocolat au cheval rouge. Capiello avait initié sa marque de fabrique, donc des formes synthétiques, formant, selon ses dires, une tache ou une arabesque, des couleurs vives, un fond uni, souvent noir, et aucune référence au produit. Les autres grands succès de Capiello furent relancés sur le même modèle, comme le Thermogène, Cinzano, ou plus tard Bouillon Cube. L'art de Capiello est caractéristique de la modernité du tournant du XXe siècle. Dès les années 1870, les artistes comme Jules Chéré, Henri de Toulouse-Lautrec ou Alphonse Muchat s'étaient illustrés par des affiches qui étaient perçues comme des œuvres graphiques au service d'une marque. Elles présentaient une profusion de détails, comme dans une peinture. Avec l'invention en 1866 par le peintre Jules Chéré des pierres lithographiques de grande taille, les affiches vont être désormais en couleur de grande taille et produites en grande quantité. Elles vont ainsi permettre le développement de la lithographie. La révolution de Capiello tient dans sa facture très synthétique et ses couleurs très vives et contrastées. Le message est incitatif et percutant. Il permet une compréhension rapide du message. Les affiches de Capiello s'adressent aux passants, mais aussi à l'automobiliste.
La première partie de l'exposition est dédiée à l'apport de Capiello dans l'univers de la parfumerie. Leonetto Capiello a modernisé l'image de la parfumerie à travers ses compositions colorées aux messages percutants et incitatifs. L'image de la femme est toujours utilisée pour promouvoir les produits de la parfumerie. Dans son univers fantasy est peuplé de femmes fleurs, comme ici avec ce projet pour une affiche autour d'une femme rose. En 1901, pour la rose Jacqueminot des parfums Coty, Capiello représente une séduisante jeune femme de profil, vêtue d'une robe à volant et dont la silhouette se découpe sur un fond sombre. Elle est souriante, les yeux sont clos et elle tient d'une main un flacon de parfum. Et dans l'autre main, donc une rose qu'elle respire dans un geste gracieux. Avec le développement de la lithographie, la réclame se colore et participe à la construction de l'image de la marque, donc tout comme les étiquettes, les emballages des flacons ou les lignes parfumées. Donc des maisons comme Coty, Davert, Robillard ou Lusy vont ainsi s'afficher donc sur les palissades ou les colonnes Maurice au cœur des villes. Capiello va signer des contrats d'exclusivité avec des éditeurs. Vercasson, de 1900 à 1918, puis de Vambèze, à partir de 1919. Il doit fournir chaque année à ses éditeurs un nombre déterminé de dessins. Un exemple, chez Vercasson, quand il arrive en 1911, il doit fournir, pour la seule année 1911, 55 esquisses et 44 maquettes. La maquette qui est commandée pour un produit pouvait très bien être refusée par le client. Dans ce cas, on va réutiliser la maquette pour un autre produit, même si on n'a aucun lien entre le produit à vendre et le sujet de l'affiche. Un exemple, la femme à la rose de 1923, elle était initialement destinée à promouvoir un parfum, et finalement, 4 ans plus tard, on va l'utiliser pour vendre du vin. Cette femme, comme on peut le voir sur l'affiche, elle surgit d'une rose. Elle s'enivre de l'odeur du produit, et le produit ici est un vin pétillant. Autre exemple, en 1925, l'affiche pour les parfums Robillard était originalement un projet pour du dentifrice. La seconde partie de l'exposition présente les différentes étapes de création d'une publicité à l'époque de Capiello. 5 étapes étaient nécessaires, depuis le croquis jusqu'à la lithographie. Capiello commence par réaliser un premier dessin de la taille d'une vignette, environ 4 à 5 cm. Il le réalise à la plume ou au crayon sur des petits carnets. Et ce dessin précise le thème et l'esprit de la publicité à réaliser. Il effectue ensuite une esquisse au format qui peut aller donc de 50 par 40 cm jusqu'à 80 par 100 cm. Il s'agit d'un dessin au pastel ou peint à la gouache et destiné à être présenté au client pour obtenir son approbation. Il photographie ensuite ses esquisses qu'il tire en noir et blanc au format 18 par 24 cm, puis il les peint en créant plusieurs variantes, afin de proposer au client des couleurs, des cadrages ou des détails différents. Une fois son projet validé par le client, Capiello réalise une maquette à l'échelle de l'affiche finale, donc en général un format qui peut aller jusqu'à 200 par 130 cm. Il va s'agir d'un agrandissement de l'esquisse réalisé au fusain, à la gouache et parfois au pastel, au cours duquel l'artiste ajoute de nombreux détails. Il utilise pour agrandir de manière proportionnelle la technique de la mise au carreau. Donc il quadrille effectivement son esquisse et reproduit chaque carré dans une manière proportionnelle. Une seconde maquette est parfois nécessaire pour séduire définitivement le client. La dernière étape consiste à imprimer l'affiche suivant le procédé de la lithographie. Donc chaque feuille est pressée sur une pierre qui a été auparavant gravée en creux et remplie d'encre d'une seule couleur. Et il refait cela autant de fois qu'il y a de couleurs différentes. Donc cette opération est supervisée par Capiello, qui procède parfois de petits ajustements sur la pierre. Donc les éléments textuels sont ajoutés lors de cette étape, et ce qui permet d'adapter la langue au pays de distribution de l'affiche. Donc comme ici par exemple, en Espagne ou en Amérique latine. «
La troisième partie de l'exposition est consacrée aux cosmétiques et aux produits de beauté. La promotion des produits passe par la représentation d'une figure féminine. Dans la lignée de Jules Chéret, Leonetto Capiello accorde une place importante à l'image de la femme, comme dans les publicités de la marque Luzi. Dans la lithographie Rabone Olival, qui date de 1911, on peut voir une femme coiffée d'une flamboyante chevelure, vêtue d'une robe couleur de feu qui flotte autour d'elle, tout en se détachant du fond noir. Cette représentation féminine est inspirée de la mythologie grecque, celle de Léda et le cygne. Pour séduire Léda, qui est mariée au roi de Sparte, Zeus va se transformer en cygne. Dans l'exposition, nous vous présentons le projet Oliver Legrain. Vous avez l'esquisse, la photo peinte et la maquette. Pour son projet d'affiche pour le savon Oliver Legrain en 1920, Capiello met en scène une femme se lavant dans un tub, cette grande bassine transportable. Devant un paravent noir et or aux motifs floraux d'inspiration japonaise, alors en vogue, se tient une femme nue, coiffée d'un bonnet de bain recouvert d'une mousse abondante et onctueuse. L'expression de la jeune femme souriante, les yeux fermés, suggère qu'au-delà de l'hygiène corporelle, utiliser ce produit procure du bien-être. Les thèmes relatifs aux univers du spectacle et du théâtre sont chers à Capiello et sont régulièrement utilisés pour promouvoir les cosmétiques, à l'image des poudres et crèmes de Luzi et du savon Latour. Capiello revisite régulièrement la Commedia dell'arte, joyeuse comédie italienne, dans des symboles de couleurs vives. L'affiche du savon Latour en 1919 illustre cet engouement pour ses personnages comme ce Pierrot soufflant des bulles de savon. Inspiré par le cubisme, le style de Capiello évolue et se simplifie à la fin des années 1920, à l'instar de l'affiche pour le shampoing au cap. Celle-ci a été créée en 1929 par Capiello selon une composition pyramidale qui place le flacon au sommet, faisant écho au traitement triangulaire du logo. Il s'inspire du style monumental et géométrique des nouveaux affichistes, parmi lesquels Cassandre et Carlu. La dernière partie de l'exposition illustre les dernières années de Capiello passées à Grasse. En 1940, éprouvé par la guerre, Capiello et sa femme quittent Paris pour le Puy-en-Velay. Et enfin, ils descendent donc à Grasse pour s'y installer à l'invitation de sa belle-sœur Jeanne Blanchenet. Il s'installe dans la maison de la petite campagne dans le quartier de Saint-Claude à Grasse. Capiello ne cessera d'y créer quotidiennement. Ayant quitté le monde de la publicité, il s'adonne à une production plus personnelle, poétique et sensible, notamment de nombreuses aquarelles et des dessins. Il réalisera ses dernières créations, dont des autoportraits, des nus, des paysages, mais aussi toute une série d'illustrations de poèmes de Rimbaud qui n'ont cependant jamais été publiés. Et c'est à Cannes, en 1942, que Capiello s'éteint d'une crise cardiaque.